Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les 50 faits marquants de la franc-maçonnerie, c'est le sujet du nouveau volume de la collection 3 minutes pour comprendre, aux éditions Courrier du Livre, son auteur et l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Laurent Kupferman est aussi l'auteur avec Jacques Ravenne d'un ouvrage sur les francs-maçons qui ont fait notre histoire. Ça s'intitule Les Aventuriers de la République et ça nous ramène évidemment au sujet par lequel j'aimerais commencer cette émission, le fameux scandale des fiches à la belle époque, une histoire assez étonnante comme vous allez le voir. Et tout à l'heure à la fin de l'émission vous répondrez à la question d'Héloïse sur l'origine des gargouilles. Ah ben volontiers pour le moment. Je vous propose de faire un saut d'un gros siècle en arrière et de nous retrouver en pleine affaire des fiches. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes en 1904 à la belle saison. Au cœur du 9e arrondissement de Paris, un certain Jean-Baptiste Bideguin, c'est un homme d'apparence assez ordinaire, un homme de 34 ans, il franchit la porte du siège du Grand Orient de France. C'est que le Grand Orient est une des principales obédiences de la franc-maçonnerie, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc euh, ce, ce Jean-Baptiste Bideguin est a priori un homme euh, habitué à ces lieux puisqu'il travaille au Grand Orient en tant que secrétaire adjoint. Or, ce jour-là, il s'apprête à faire ce qui va lui valoir le surnom de Judas pour de nombreux francs-maçons. En toute discrétion, il se rend dans une pièce où un nombre important de fiches de renseignements sont conservées, tout à fait loin des yeux du public, inutile de vous dire, et pour cause, ces fiches, qui ont été progressivement rassemblées, ces fiches portent sur les opinions politiques et religieuses d'un certain nombre d'officiers supérieurs et généraux de l'armée. Elles sont utilisées pour renseigner le pouvoir de l'époque, que c'est la gauche républicaine qui est au pouvoir, pour renseigner les gouvernants et leur permettre de jauger du degré supposé de loyauté au régime d'un certain nombre de personnes, toutes ces personnes fichées en l'occurrence. On le comprend bien. Il vaudrait mieux que la preuve de l'existence de cette mine d'information ne tombe pas entre toutes les mains. Et bien pourtant, euh, c'est le sens de la venue de Jean-Baptiste Bidguin dans cette pièce sans être vu. Il sort tout un attirail de photographie, on est en 1904, on peut imaginer que ça prend quand même un petit peu de place. Il installe de nombreuses fiches devant son objectif et il photographie, il photographie, il photographie. Et puis quand il a fini sa petite mission, il s'éclipse. On peut dire à ce moment-là qu'un des grands scandales de la Troisième République est sur le point d'éclater. Il faut bien comprendre que 1904, on est dans une période d'extrême tension politique. On est à la fin de ce qui s'appelle l'affaire Dreyfus et qui depuis dix ans a totalement empoisonné le climat politique en France. Le régime républicain qui est évidemment beaucoup plus solide qu'il n'a pu l'être 25 ans plus tôt, n'en est pas moins encore un peu jeune, et il possède de farouches opposants, notamment dans les milieux catholiques, royalistes et ultra-conservateurs. La société est encore traversée par toutes sortes de courants contradictoires, et ce qu'on a vu pendant l'affaire Dreyfus donne à réfléchir, bien entendu, c'est-à-dire qu'on a vu un pays se, se déchirer profondément, et... Un régime républicain vacillait sur ses bases. C'est que pendant l'affaire Dreyfus, à plusieurs reprises, on n'était pas très loin d'une crise de, de régime. Le président du Conseil au pouvoir en 1904, c'est Émile Combes. Alors Émile Combes, on le connaît évidemment. Il a attaché son nom à la très grande affaire, la plus grande réforme peut-être de la République, de la Troisième République, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. On dit aujourd'hui des Églises et de l'État, parce qu'on est très pointilleux. Mais enfin à l'époque, on sépare surtout l'État d'une grande Église, qui est l'Église catholique. Et Émile Combes est un homme de gauche très avancé, et c'est un franc-maçon, bon teint, si je puis dire, qui assume parfaitement ses opinions et qui mène une politique, disons-le, anticléricale. Politique jugée vigoureuse même dans ses rangs, jugée totalement brutale du côté de la droite, bien entendu, avec des mesures comme l'interdiction d'enseigner aux congrégations religieuses, etc. Ça va quand même assez loin, on y reviendra tout à l'heure. Le sujet est particulièrement sensible alors qu'on s'achemine donc vers la, la fameuse loi de séparation. Bref l'atmosphère politique semble euh, atteindre une sorte de point de saturation. Et la question de la fidélité au régime d'un certain nombre de fonctionnaires, et plus particulièrement des militaires, bien entendu, puisque le pouvoir s'appuie quand même d'abord sur l'armée, euh, cette question est une source d'inquiétude pour un certain nombre de gouvernants. On peut le comprendre, ça. C'est en tout cas dans ce contexte que va avoir lieu le fameux séisme politique du 28 octobre 1904 à la Chambre des députés, c'est un député ultranationaliste Jean Guyot de Villeneuve qui a réussi à obtenir un certain nombre de preuves euh, de l'existence des fameuses fiches fournies par Jean-Baptiste Bidguin du, du Grand Orient. Et ce monsieur Guyot de Villeneuve dénonce l'existence des fiches, il est à la tribune de l'Assemblée, enfin de ce qu'on appelle à l'époque la Chambre des députés. Le ministre de la Défense, à l'époque on dit le ministre de la Guerre, se sert de renseignements sur les tendances politiques et sur les pratiques religieuses des officiers supérieurs. Voilà ce que dit Guyot de Villeneuve. Une part de ces informations est collectée totalement en dehors des cadres officiels de renseignement de la République via un réseau franc-maçon. Vous imaginez le scandale que tout ça ne peut que créer, évidemment. C'est Jean-Marie Pellapra qui le raconte. Pour faire bonne mesure, dit-il, Guyot de Villeneuve donne lecture de certaines fiches photographiées à l'authenticité incontestable et les faits est prodigieux. Il faut imaginer les premiers rangs là de, de la Chambre avec le gouvernement, le président du conseil, donc Émile Combes, est complètement abasourdi. Or ce ne sont que les toutes premières révélations. On en est qu'au début. Les pratiques vont être mises à jour progressivement. Il y a de quoi là faire un petit effet. Des officiers sont signalés comme ayant eu des mots contre le régime, contre la République. Mais aussi, on a noté sur certaines fiches qu'ils sont habitués de la messe. Ou qu'ils sont parrains d'un enfant, d'un milieu ultra catholique, enfin fait, etc. Et puis alors, il y a des qualificatifs peu amènes. Ce sont euh, les qualificatifs que nous révèlent Jacques Raven et Laurent Kupfermann, qui, qui notent. Alors, on, on lit ça sur les fiches. Hein. Il est exact qu'on peut y lire des mentions telles que clérical, cléricalisant, nous disent Raven et Kupfermann. Cléry Cafard, Cléry Canaille, calotin pur sang, grand avaleur de bon Dieu, vieille peau fermée à nos idées enfin vous voyez, euh, on fait pas dans la dentelle sur les fiches en question et Pierre Miquel de préciser plus de 18 000 fiches avaient été ainsi collectées, les maçons avaient fait du zèle, trois vénérables seulement sur 200 avaient refusé de se prêter à la manœuvre, ce qui voudrait dire que 197 ont soit accepté, soit fermé les yeux. De plus, on apprend bientôt que les fiches sont regroupées en deux ensembles. Vous avez un premier lot on appelle Corinthe, qui réunit les officiers supérieurs et généraux supposés favorables au régime, qui peuvent donc s'attendre à de l'avancement. Puis le second, euh, le second lot, Carthage rassemble tous les gens suspects de déloyauté dont on entend ralentir la carrière, voire même la bloquer. Euh, on n'est pas très loin de la chasse aux sorcières, quand même, et sur des critères dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont douteux. Est-ce que le fait d'être catholique pratiquant en 1904 euh, fait de vous un ennemi de la République J'en suis pas persuadé. Enfin, on, en, on y reviendra justement sur tout ça. Euh, Émile Combe est très embarrassé, vous imaginez bien. Il réclame un peu de temps pour enquêter de son côté sur les pratiques dénoncées. À mon avis, il n'a pas besoin d'enquêter beaucoup, mais il a surtout besoin d'établir ce que nous appellerions, nous, en 2016, des éléments de langage. Pour lui, comme pour le général André, le ministre de la Guerre, l'automne et l'hiver 1904 s'annoncent vraiment difficiles. De, après une lecture de Dante composée par Franz Liszt, on vous retrouve Franck Ferrand pour la suite de votre récit sur le scandale provoqué par l'affaire des fiches en 1904. Oui, alors tout a commencé par euh, cette révélation de Guyot de Villeneuve le 28 octobre et le 4 novembre, le bonhomme en question revient à la charge. Euh, il détaille encore un peu plus le fichage mis en place et il assure même qu'Émile Combes connaît la situation depuis des années, dit-il. Alors vous imaginez l'échauffement sur les travées, les sectarismes des deux s'affronte avec rudesse des députés, hurle, applaudit, conspuent, questionne, s'insurge, enfin bon, le Palais Bourbon dans ses grandes heures, surtout à cette époque en 1904 où ça bouge beaucoup, hein. il, y a, il y a du tangage à la Chambre. C'est dans ce contexte, évidemment, que les uns et les autres vont essayer d'exploiter la moindre maladresse. C'est Gabriel Merle qui nous le raconte, Combes, dit il a eu un mot malheureux. Il affirme qu'il fallait faire une armée républicaine à tout prix. Aïe aïe aïe. Il se rend compte évidemment de, de l'implication et il se reprend gauchement. Enfin, par des moyens honnêtes, bien entendu. « Ah Ah » crie-t-on dans l'opposition. Enfin, vous voyez, la tension est forte en ce 4 novembre. La position du ministre de la Guerre paraît de plus en plus difficile à, à tenir. Au lieu de fournir des explications satisfaisantes sur les activités de son cabinet, il s'embourbe complètement et il y a un député ultra-nationaliste qui s'appelle Gabriel Sifton, euh, qui euh, a l'air euh, particulièrement troublé face à ces échanges Demain, Manière étrange, il finit par se lever, il se dirige tout droit, il descend hein, jusqu'en bas. Il se dirige vers le ministre de la guerre et au moment où il arrive devant lui, on se dit « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Eh bien, il applique deux soufflets retentissants au ministre, devant tout le monde. Certains disent même qu'il lui a donné des coups, purement et simplement. Alors là, ça va trop loin. La séance est levée, évidemment. Des poursuites sont engagées contre le député Giffleur. Son immunité parlementaire lui est retirée dans les jours qui suivent. Et un procès doit s'ouvrir euh, le 9 décembre. C'est le début d'une affaire dans l'affaire, mais qui a son importance parce que Sifton devient à ce moment-là le centre de l'attention. Je pense que ça arrange un peu tout le monde entre nous, soit dit. Euh, Jean-Marie Pellapra précise, « Après la gifle au général André, la polémique, c'est pas la gifle, hein, c'est plutôt la paire de claques, je dirais, la polémique ne manque pas de fouiller dans les poubelles. » Or, il semble que celle-ci, hélas, soit assez chargée. En clair, Sifton aurait séduit sa belle-fille, sa propre belle-fille, hein, et puisé à pleine main dans la caisse de la Ligue de la Patrie Française. Une ligue dont il est le trésorier. Ce sont des révélations croustillantes. On peut imaginer qu'elle sèbe le trouble dans le ménage Sifton. Madame Sifton ne doit, doit pas être très heureuse. Et la veille du procès, euh, donc on est le 8 décembre, nouveau rebondissement, en plein milieu d'après-midi, le député est découvert. Chez lui, à Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris, il est découvert mort. Son cadavre a été retrouvé étendu de tout son long à même le sol, la tête dans la cheminée à gaz de son bureau. Euh, on pense que. Bon, intoxication provoquée par le gaz, ça évidemment. Et on pense qu'il s'agit d'un suicide, simplement. Est-ce que ça ne pourrait pas être un meurtre maquillé en suicide Voilà de quoi jeter de l'huile sur le feu alors que le scandale des fiches continue d'agiter la classe politique, vous l'imaginez bien. La couleur politique des uns et des autres n'est souvent pas sans influence sur. Eux l'hypothèse que chacun va privilégier à propos de l'affaire Sifton. Les partisans du crime politique insistent. si faut on compter se servir de ce procès comme une tribune Pourquoi aurait-il mis fin à ses jours à la veille d'une occasion de se justifier Est-ce qu'on n'a pas chargé et cherché à le faire taire Peut-être même qu'on a voulu venger euh, le général André. Voilà ce que disent les gens de, on va dire de la partie la plus à droite de l'hémicycle. De Puis il y a cette lésion inexpliquée qui a été retrouvée sur son corps. Euh, bon. La thèse du suicide n'en est pas moins officiellement retenue. Elle a l'air solide à l'approche du procès et surtout le scandale autour de la vie du député, tout ça semble avoir jeté le désespoir dans son esprit. Euh, il a d'ailleurs eu des phrases qui laissaient entrevoir son désir d'en finir, hein, puisqu'il a dit à plusieurs de ses proches qu'il ne voyait pas d'avenir, etc. Et puis la manière dont le corps a été retrouvé, la tête dans la cheminée, couverte de manière à favoriser l'intoxication, tout ça fait penser vraiment à, à un suicide. Bref, quel, quoi qu'il en soit, la mort de Gabriel Sifton n'a pas fini de susciter des commentaires, des révélations plus ou moins sérieuse, mais elle ne masque pas pour autant l'affaire principale. Parce que ça, si c'était l'affaire dans l'affaire, si je puis dire. Mais il y a la grande affaire, celle des fiches, bien entendu. Ce scandale des fiches qui, dès le lendemain, 9 décembre, reprend à la Chambre des députés. Le, le gouvernement est toujours là euh, face aux accusations diverses et, et variées. Jusque-là, Émile Combes qui ne s'est se pas montré très adroit dans sa défense, mais enfin, jusque-là, il a tenu bon. Il a nié tout impliqué de son cabinet dans cette histoire, seulement euh, il a dû accepter la démission du ministre de la Guerre à la mi-novembre. André était beaucoup trop affaibli, il était trop éclaboussé par par l'affaire. Combe parvient à conserver un semblant de majorité à la chambre, une majorité suffisante en tout cas pour rester au pouvoir, mais malgré ça, ses opposants ont bien l'intention de continuer à en découdre. À leurs yeux, la pelote noueuse de ce scandale est encore euh, très prometteuse, elle est loin d'être dénouée. Excellent après-midi sur Europe 1. Vous écoutez au cœur de l'histoire et à tout moment vous pouvez réagir. Nous attendons vos messages et vos questions par la, via la page Facebook de l'émission, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, et puis par mail, europe1.fr. Vous restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand continuera d'évoquer le scandale des fiches au cœur de la Troisième République. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. 14h, 15h sur Europa. L'affaire des fiches est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous nous parlez de la découverte de ce réseau de fichage et de surveillance d'officiers français considérés comme dangereux pour la République. Oui, voilà. Alors, euh, la République euh, avait quand même l'épiderme un peu chatouilleux parce que, euh, simplement, on affichait un grand nombre de d'officiers de l'armée française et alors vous allez voir ça ne s'arrête pas à l'armée c'est ça cette histoire c'est que plus on en apprend sur les fiches et plus on découvre que euh, le gouvernement possède des fiches sur énormément d'individus à cette époque et effectivement via ce réseau maçonnique issu du Grand Orient c'est ce qui rend évidemment l'affaire c'est ce qui la rattache à la question d'aujourd'hui à notre affaire de de la République maçonnique le climat est donc électrique à la chambre vous l'aurez vous l'aurez compris euh, voilà ce que nous dit jacques chastenet on sait maintenant que le système d'espionnage favorisé par le gouvernement déborde bien au delà de l'armée et que peu d'administrations en sont exemptes dans toutes les communes où le maire passe pour insuffisamment républicain un délégué entre guillemets, choisi par le préfet et chargé de renseigner celui-ci sur l'état d'esprit des habitants et de proposer faveurs ou disgrâces, ça va quand même très loin cette histoire. Euh, vous imaginez bien qu'il y a de quoi faire tomber un gouvernement et que les opposants d'Émile combes s'en donnent à cœur joie parce qu'on est, ne l'oubliez pas, dans cette période anticléricale, hein, dans cette politique anticléricale du gouvernement combe et dans la préparation de la fameuse loi de séparation. Donc tous les adversaires de la loi de séparation ils sont très nombreux et <laughs> profitent de cette affaire des fiches pour taper sur combe. Cela dit, on peut pas non plus leur donner tort parce que le, le scandale est un vrai scandale incroyable. Le député migrant parle de pratiques abjectes. Euh, alors, que répond Combe face à tout ça bah, Il rappelle que ce sont des fonctionnements qui ne sont pas nouveaux, comme si c'était une excuse. Euh, il défend ses décisions. Euh, Gabriel Merle, son biographe, nous dit ⁇ Pendant toutes ces semaines, la fonction législative du Palais Bourbon est très réduite. Les séances sont plutôt des exercices de trac ininterrompu. Comme Combe vient de marquer des points, on le relance sur les fiches. S'il est probable que Combe ait su... Euh, très euh, depuis longtemps pour le fichage au sein de l'armée. Il n'a pas été le créateur de ce système, ça c'est une certitude, et son rapport à l'affaire paraît assez indirect. Combe continue à réunir de vote en vote une majorité derrière lui, c'est un fin politique, vous savez. Seulement, euh, il est quand même clairvoyant et il comprend qu'il ne parviendra pas à se dépêtrer de cette affaire qui devient de plus en plus collante, si je puis dire. Euh, exercer le pouvoir dans de telles conditions devient très difficile. Euh, les après-midi entières du petit père Percombe, hein, comme on l'appelait, euh, sont occupées à répondre à des attaques au, au, au parlement, c'est-à-dire qu'il ne peut plus gouverner véritablement. Euh, et plus, plus il restera maintenant, plus son mandat sera entaché. Donc, euh, après l'une des plus longues présences à la présidence du Conseil de toute la troisième République, puisqu'il est au pouvoir depuis 1902, c'est-à-dire depuis deux ans. Et cette mois, le euh, président Combes va euh, prendre la, la mesure de la situation. Le 14 janvier 1905, il est interpellé sur sa politique générale. Il prend la parole très longuement devant la chambre. Euh, la Chambre toujours en pleine excitation, bien entendu, il fait une sorte de bilan de toute son action, il tente encore de se justifier, il parle encore un peu de l'avenir. Enfin, disons-le, ça, ça sent quand même la fin de règne. Gabriel Merle le dit, il y a soudain de l'alali dans l'air, ça sent la curée. Quand il trace un programme de travail pour le premier semestre, on se moque ouvertement de lui, on rit, on applaudit ironiquement. Il parle de débats à entamer à Pâques, et l'on crie sur les travées, et à la Trinité Et le 1er avril, qu'est-ce qu'on fera dit, un, dit un, un député, à quoi un autre répond, c'est un calvaire. Quelques jours plus tard, Émile Combes, c'était très amusant, entre parenthèses, de lire les rapports de séance de, de cette époque, parce qu'on s'amusait, si je puis dire, au palais Bourbon, hein. Émile Combes va donc démissionner au bout de quelques jours. On peut l'imaginer triste, fatigué par ces mois de lutte avec le sentiment qu'il y avait encore beaucoup à faire. C'est un autre cabinet, désormais, celui de Maurice Rouvier, qui va reprendre les choses et mener la politique nationale dans une atmosphère plus sereine. D'ailleurs, le nouveau président du Conseil l'a dit tout de suite, cité par Jean-Marie Pelapra, notre conception ne comporte ni fiches ni délégués. Les fiches, vous avez compris de quoi il s'agit, sont ces fiches de renseignement. Quant aux délégués, ce sont ceux qui étaient censés dans les différentes communes non républicaines renseigner les préfets sur les activités euh, euh, dangereuses pour, le, pour le, le pouvoir. Alors, la page du scandale va se tourner peu à peu, malgré l'importance des, des conséquences politiques. Et cette affaire aura révélé le climat très, ah, très âpre de cette troisième république bouillonnante. Il aura aussi révélé, et c'est une des raisons pour lesquelles il nous intéresse aujourd'hui, il aura révélé la très grande présence de la franc-maçonnerie au sein des élites républicaines de cette époque qui dirigent donc la, la troisième république. Alors. Évidemment, euh, on est dans un combat très dur entre ceux qui veulent faire avancer les réformes républicaines et ceux qui s'opposent totalement à ce qu'elles ont notamment de plus anticlérical. Le petit Père Combe s'est retiré après toutes ces semaines de polémiques euh, dans un climat qui lui a fait croire que ces démarches n'atteindraient pas leur terme. Eh bien si, figurez-vous, puisque... Un peu moins d'un an après son départ, il aura la satisfaction de voir adopter cette loi emblématique, cette loi dont il aura été un des grands promoteurs, celle de la séparation des églises et de l'État, loi votée en 1905. Quant à l'affaire des fiches, on en parle un petit peu encore dans les amphis à Sciences Po ou dans les universités qui s'intéressent aux sciences politiques. Généralement, on en parle peu, on en parle mal et l'on ferait presque comme si c'était une petite affaire. Bonjour Laurent Kupferman. Bonjour Franck Ferrand. Alors, nous allons revenir sur les fiches, bien entendu. Et puis au-delà, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de voir en quoi la franc-maçonnerie a aidé à façonner la République en général et la troisième en particulier. L'histoire sur Europe c'est avec Franck Ferrand. Oui, Fer. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. La République maçonnique. Et le scandale des fiches sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'essayiste et chroniqueur littéraire, également franc-maçon, Laurent Kupferman, auteur de Les Aventuriers de la République. C'est franc maçons qui ont fait notre histoire avec Jacques Ravenne, et c'est paru chez Fayard. Alors, Laurent Kupferman, je parlais donc euh, du caractère assez scandaleux de cette affaire des fiches, qu'on a tendance aujourd'hui à minimiser complètement, 110 ans, 112 ans plus tard. Euh, quand même, ça n'est pas banal euh, d'aller euh, ficher comme ça, non seulement tous les officiers de la Armée, mais d'une façon plus générale, tous les fonctionnaires et, et, tous les, et tous les, toutes les élites, même, hein, puisque même les maires des communes sont, sont concernés par ce fichage. Alors, oui, évidemment, personne va soutenir <laughs> cette affaire. Je veux dire, c'est évidemment très ennuyeux d'être euh, pris. pris la main dans le sac. Voilà. voilà. Bon, maintenant dire que ça n'a jamais existé avant, non, bien sûr. ce serait faux. Ce qui est problématique dans cette histoire, c'est que les loges ont été mises à contribution. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est. Enfin, euh, sur l'histoire des maires, euh, je vous rappelle que il les, les, y avait des candidatures officielles pour les mairies sous le Second Empire, euh, et puis que euh, les, les services de renseignement étaient très actifs sous la monarchie et, et sous l'Empire aussi. Ils Alors, il est touchaient... certain que, il est certain que le climat et le contexte politique jouent. C'est-à-dire voilà. qu'à partir du moment où, où l'on cherche des armes contre Émile Combes et contre sa politique anticléricale, notamment sa politique laïque, on y reviendra tout à l'heure, voilà. hein, de séparation de, de l'Église et de l'État, forcément, euh, là, c'est pain béni pour tous ceux qui sont ses, ses opposants. Ça, c'est une certitude. Absolument. Et les opposants, on en trouve jusque et y compris dans la maçonnerie. C'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi tout Clivé. blanc tout noir non. Oui. vous avez Jules Simon par exemple qui est un qui est un un ministre ancien ministre qui lui est maçon mais qui est pour la l'éducation Gratuite, obligatoire, mais pas laïque. Donc vous voyez, les choses sont toujours beaucoup plus subtiles que l'on que l'on croire. Alors comme vous le dites, on a connu du fichage euh, sous tous les régimes et à toutes les époques. Tout particulièrement, effectivement, dans le régime précédent la, la Troisième République, qui était le Second Empire, mmh. puisque c'était sous la tout ça se faisait sous la houlette d'un ministre de l'Intérieur extrêmement efficace, Persigny. appelé Persigny. Et avant lui, il y avait eu le duc de Morny qui avait fait pas mal non plus. Et donc, on, du plus on, libéral, quand on même. connaissait euh, à peu près tout. Euh, de, des, des opinions, des, notamment des militaires. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'avec l'arrivée de la, de la République, on aurait pu imaginer que ce genre de pratique n'aurait pas lieu. Or, là, ce ne sont plus les services de l'État, ce que nous aurions appelé il y a peu de temps encore les renseignements généraux qui font ce travail de fichage et de renseignement. Là, en l'occurrence, c'est euh, la franc-maçonnerie. Est-ce que c'est parce que la République n'avait pas encore euh, eu le temps de s'organiser, si je puis dire Alors. Il faut bien comprendre que l'histoire, le, le contexte dans lequel apparaît la Troisième République, vous l'avez très bien rappelé, en 1871, le, le, enfin 4 septembre 1870, c'est la, chute, euh, du la Empire, chute du Second mais la déchéance Empire, de Empire. mais la, la guerre continue avec la Prusse. Donc il y a un gouvernement de la défense nationale qui est nommé, puis euh, Thiers arrive au pouvoir, puis c'est MacMahon. S'ensuit une république ultra conservatrice qui, qui n'a hein, voilà, hein. de, de république monarchiste d'ailleurs, qui n'a absolument, qui n'a de république. Que le nom, puisque Marianne est retirée des mairies, il est interdit de chanter la marseillaise, euh, la presse républicaine est muselée, l'objectif du maréchal de MacMahon, il est très clair, C'est de remettre un roi sur le trône. Ou un empereur ou un empire. Oui. Mais il préférait un roi. Donc il faut attendre 1875 pour que les, les fameuses lois constitutionnelles, qui elles-mêmes ne faisaient pas consensus... Oui, la République, elle devient vraiment républicaine en 77, en fait. Hein. Absolument. Une fois que les élections auront donné une chambre qui soit clairement républicaine donc il y a ce contexte qui explique non pas qui excuse mais qui explique l'affaire des fiches mmh. il n'y a pas d'élite républicaine ou très peu alors évidemment donc, les, les opposants... républicains qui sont au pouvoir ont un peu peur ils ont peur des 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 grands généraux qui tiennent quand même les armées ils et ont et, peur et, des préfets objectivement ils ont... les grands généraux qui tiennent les armées étaient plutôt tous monarchistes ah, oui, enfin, c'est oui. pas euh, c'est pas faire insulte à l'histoire non, non, non c'est la vérité mais, oui. bon donc c'est euh, c'est vrai que c'est compliqué de faire monter une génération de dirigeants aussi rapidement. C'est la période la, pro, la troisième République où vous avez des, des carrières qui sont météoritiques. Ah vous oui. devenez préfet ou, ou, ou ministre toute en, vitesse. en deux ans. Bon, mais il se trouve qu'ils ont eu de la chance. Ils ont trouvé des personnalités qui étaient talentueuses, honnêtes, intègres, euh, un peu peut-être un peu plus qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que les, les personnalités en question, qui ont fait ces carrières très rapides, ont recruté essentiellement dans la franc-maçonnerie Est-ce qu'on peut dire ça Non, <laughs> non. Euh, oui, oui, évidemment, mais pas uniquement. Il y a beaucoup aussi dans ce qu'on appelait les véritables sociétés secrètes. Par exemple, aide toi le ciel t'aidera, une société secrète dont tout le monde a oublié le nom, mais, mais qui regroupe euh, en réalité tous ceux qui souhaitent que les choses bougent. Alors. Sous euh, les, les, les Bourbons, euh, eh bien, il y a des sociétés secrètes qui souhaitent mmh. mettre au pouvoir les Orléans. Et sous les Orléans, il y a aussi des sociétés secrètes qui souhaitent faire bouger le régime, parce que même le régime euh, Orléans, qui était censé être le roi citoyen, euh, beaucoup plus moderne, La qui n'est plus roi de juillet, France, oui. mais mais roi des Français. De 1830 vous... à 1848. Absolument. Même ce régime-là finit par. Euh, par, par s'en croûter, si j'ose dire. Et donc, il y a un désir d'avancement, de progrès, qu'on retrouve bien sûr chez les maçons, mais pas uniquement pas, chez les maçons. Pas uniquement. Alors, il se trouve qu'un certain nombre de très grands noms euh, de, de la Troisième République, parmi les fondateurs, on pense toujours évidemment aux grands noms que sont... Il euh, euh, y en a trois, en fait. Hein, euh, Gambetta, Jules Ferry et... Clémenceau, qui lui n'était pas maçon, mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Absolument. Mais alors c'est le plus sans doute celui qui est le plus emblématique, le, le plus grand homme d'État de la de la Troisième République. Mais en effet, il n'était pas maçon. Il appartient à un parti. Cependant, il y a 99,9% de maçons, ce qui prouve que les maçons ne sont pas aussi euh, dans un désir de contrôle aussi fort que ça, puisqu'ils portent à leur tête quelqu'un qui n'est pas maçon. Les radicaux, en l'occurrence, ont porter Clémenceau, qui se trouve être l'un des très rare à ne, feux, à ne pas être un de leurs frères. Bon, il a une très très grosse personnalité, Clément. Oui, c'est moi Donc, est, donc est, il s'impose naturellement. Alors revenons peut-être sur les deux autres. À commencer par Gambetta. Alors Gambetta, Gambetta, c'est un personnage euh, un peu étonnant. Gambetta, je vais dire quelque chose d'un peu provocateur, mais heureusement pour lui qu'il est mort jeune. <laughs> C'est-à-dire que Gambetta, il avait une propension à avoir une tentation du pouvoir césarien. Il a il est très jeune, attiré par par le pouvoir, il est sympathique, il a de la faconde, il est rond, il parle bien, il a la appris, voix de Voilà la voix de Stentor, il a appris euh, à il a appris à roder ses idées dans les brasseries, ce qui lui vaut les colibets euh, des élites du second empire qui parlent de la république des, de, de la république des brasseries alors que on devrait s'exprimer dans les salons. Et, et, et donc ce Gambetta, il a l'occasion d'arriver au pouvoir au moment euh, de la chute du second empire. Il part euh, on se souvient de son fameux départ en ballon bien, ballon, bien sûr pendant le siège de Paris, par avec Crémieux, ce qu'on oublie. Aussi Crémieux, d'absolument oui. et euh, et puis on ne sait pas, peut-être, il saisit une opportunité, peut-être, il, il, est, peut-être, il est un peu trop volontaire. Il s'auto-proclame ministre de la guerre. Alors, ça passe mal, on l'a complètement oublié, mais il était appelé jusque et y compris dans les rangs républicains comme le ministre dictateur Gambetta. Donc, il, il finira par arriver au pouvoir à prendre la présidence du conseil In extremis, il durera peu au pouvoir, il sera euh, vite euh, renvoyé dans sa jolie maison euh, à côté de Sèvres. Jardi Absolument. Il euh, se lancera un défi, apprendre à tirer au pistolet, parce que figurez vous oui, qu'il ça... venait d'un milieu populaire, qu'il n'avait pas fait son service militaire et qu'on lui lançait régulièrement des duels, il était très vexé ne pas pouvoir répondre au duel, même si c'était interdit, ça va, ça ça va lui coûter, coûter cher, puisqu'on ne sait pas exactement dans quelles circonstances, c'est très nébuleux cette histoire, mais enfin finalement, euh, sa maîtresse, Léonie, la belle Léonie, va ouais. finir par, euh, semble-t-il, lui tirer dessus quand même. Hein. Alors... enfin. C'est pas bien clair, est comme pas bien disiez, clair. Est mais, bien mais, clair. mais en, en, réalité, probablement, ce que, ce qu'on sait, c'est qu'il avait un cancer et que il, il, se blesse au pistolet, que cette blessure va accélérer le terme qui était prévu fatal et que la pauvre Léonie Léon, elle a été peut-être injustement accusée. On a même accusé les francs-maçons, figurez-vous. justement, et dans la franc-maçonnerie, quelle était sa, quelle était sa place et quel était son, son parcours à, à Léon Gambetta? Alors Léon Gambetta, il est, il est allé en maçonnerie en 1869, au moment où il est initié, et une autre fois, un point, donc, un trait. Donc c'est très très ténu, en fait. Ah hein. c'est c'est deux points, c'est pas trois <rire> points. <laughs> c'est euh... vraiment vrai. Oui oui donc c'est vraiment. Je ne dirais pas qu'il était opportuniste. Je dirais que à l'époque, si vous vouliez accéder rapidement au pouvoir, vous deviez voilà, c'est ça. Passer par les loges. C'est pas le cas de Jules Ferry quand même. Lui est peut-être plus impliqué. D'abord, Jules Ferry vient d'un milieu extrêmement bourgeois. Donc Jules Ferry n'a pas besoin de travailler pour vivre. Il est, il est d'abord, il écrit. Il a une fortune personnelle. Il a, il a le diplôme d'avocat, mais il l'exerce pas parce que ça l'ennuie. Il vit dans son hôtel particulier. Il, il, il donne des articles qu'il donne à publier de temps en temps. Et puis, il connaît le succès. À travers un article, celui où il attaque les contes fantastiques d'Hoffman. pardon, vous voyez, oui. le, le, il fait le jeu de mots bien voilà, sûr, et donc ça le lance dans Paris. Et effectivement, il devient là, il prend une espèce d'autorité et il après pour des raisons qui lui sont propres, il s'attaque à, à ce qui deviendra une des lois emblématiques de la République, l'éducation laïque gratuite. Et obligatoire, qui sera voté. Ça, en 1882. Ça c'est bien une idée maçonnique, si je puis dire. Cette, oui, mais cette alors, idée je... de, porter la, la, de porter la culture, de porter le savoir euh, dans, dans la population, de d'éclairer en quelque sorte. C'est une idée progressiste. Oui. C'est-à-dire que euh, l'idée que euh, à partir de 1789, à partir de la Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Il y a un principe philosophique qui est programmé. Enfin, dans la vie concrète des citoyennes et des citoyens, ça change pas grand-chose. C'est joli dans les salons. Là, c'est une mise en pratique l'éducation, eh bien évidemment. Et quand tout à l'heure vous parliez de d'interdire aux aux congrégations l'éducation, j'ai envie de, de de mettre une légère nuance. C'est de leur retirer le monopole. Parce que c'est les congrégations qui avaient le monopole de l'éducation. Alors moi je ne suis pas spécialement contre l'éducation privée. Simplement, il est bon qu'il euh, y ait pour les enfants une éducation dans laquelle on leur apprend l'autonomie, la liberté de conscience. Il y a des parts de cet héritage républicain progressiste. Et maçonniques qui aujourd'hui ne sont plus assumés chez euh, chez Jules Ferry, il y avait cette volonté de porter la lumière non seulement dans toutes les couches de la population grâce à l'éducation, mais aussi dans le monde entier par le colonialisme. Et ça aujourd'hui on n'en veut plus, bien entendu. Alors c'est c'est vrai que c'est un c'est un point qui est euh, qui sur lequel on devrait mettre la lumière, je trouve, parce que le cas de dire oui. La, la oui mais la, la colonisation, on en fait le reproche à la Troisième République, mais enfin ça commence bien avant. Oui, bien ça commence en 1830. Ça commence même sous oui. le 14, si vo voilà, si on veut aller plus oui. loin. Donc, si vous voulez, effectivement, ce qui bascule avec la Troisième République, c'est que, il y a, on n'est plus dans une colonisation uniquement à visée économique, diplomatique, on est aussi dans une colonisation à visée... Humain, Diton, humaniste, hein. civilisatrice. Ah oui. Mais alors, ça paraît étrange, mais Victor Hugo, qui est quand même pas le plus grand des réactionnaires, euh, Victor Hugo... Il l'a été, hein, ça, il a tout été, Victor il Hugo, Il a mais... été jeune, mais <laughs> sur la fin de sa vie, oui, il, a, il passe de la réaction au progrès euh, au fur et à mesure de son âge. Mais Victor Hugo est un partisan zélé de la colonisation. Il y a quand même cette idée de, de porter les lumières et de les étendre, euh, idée qui se trouve bien entendu sous la forme la plus allégorique qui soit dans la statue de la liberté. On va y venir tiens dans un instant à la Statue de la Liberté. L'histoire sur Europe c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe. 1. Les grandes personnalités franc-maçonnes sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'essayiste et chroniqueur littéraire. Laurent Kupfermann, également franc-maçon, auteur de 3 minutes pour comprendre les 50 faits marquants de la franc-maçonnerie. C'est au courrier du livre. Oui, vous connaissez cette collection hein, 3 minutes pour comprendre qui présente des synthèses extrêmement claires sur des sujets. Et alors là, si vous avez des flottements à propos de la franc-maçonnerie, si vous ne, ne connaissez pas tous les termes, vous savez le, la tenue, la, la planche, si vous savez parce que c'est exactement qu'une obédience, une loge, etc. Tout est parfaitement expliqué, c'est un livre tout simplement lumineux. Alors, à propos de, si. de lumière, Laurent Kupferman, revenons à notre statut de la liberté, oui. dont j'entends dire, depuis très longtemps, nous avions d'ailleurs déjà, je crois, fait une émission sur ce, sur cette antenne à ce propos, qu'elle est en quelque sorte le symbole suprême de la maçonnerie. Qu'est-ce que vous en pensez-vous Est-ce qu'il s'agit d'une allégorie maçonnique avant tout Écoutez... Euh, pour être tout à fait honnête, <laughs> elle a une histoire un peu plus complexe. D'abord, elle, euh, elle germe dans l'idée de Bartholdi au moment où il Focus va... Bartholdi, donc le grand voilà. sculpteur, ah, hein, ah, on grand est dans les années 60, 1870 75 ah, Oui, ouais. un petit peu avant en fait, parce qu'il va faire un voyage en Égypte mm -hmm. avec le peintre Jérôme, avec qui il a une histoire euh, très intense, on va dire, mm -hmm. et, euh, et donc ils vont en... En Égypte, il s'imprègne... Il est en train de nous dire que Jérôme et Bartholdi... Euh... ne se détestaient pas. Et, ah bon. et, donc, euh, et, et voilà, donc, voilà euh... le scoop de la journée. Je pense que c'est <laughs> ça que retiendront nos auditeurs. Et, et donc, euh, 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 Bartholdi a cette, déjà cette idée. Il voit comme ça les, les, les couleurs, le, le, les, les, les monuments qui sont en Égypte, hein, le Sphinx. Enfin, tout ça lui donne cette idée du gigantisme. Et lui vient cette idée de faire une statue qui célébrerait, à l'occasion du percement du canal de Suez, une statue qui célébrerait l'Afrique saluant l'Occident ça ne marche pas pour des raisons x et y soit Khalil Bey soit euh, le cousin de l'impératrice Eugénie Ferdinand de Lesseps ne veulent pas de veulent pas de ce monument soit je sais pas soit ils manquent d'argent soit ils sont jaloux peu importe ça va pas le jour voilà ça ne voit pas le jour et il faut attendre euh, D'abord la, la, la guerre de 1870, dans laquelle Bartholdi, qui est Alsaciens et qui est très très attaché à l'Alsace euh, va beaucoup s'impliquer et il va rencontrer au cours du conflit. Il est patriote côté très français, très patriote, hein, bien sûr. très très patriote, pas nationaliste, mm -hmm. très patriote. et Il va rencontrer au cours du conflit de nombreux francs-maçons. Il se fait initier en 1875 dans une loge assez prestigieuse hein, qui s'appelle la loge Alsace-Lorraine. Pourquoi Alsace-Lorraine Parce que c'est une loge qui fonctionne à Paris avec ceux qui ont dû quitter les territoires. Qui sont occupés par l'armée prussienne, mais qui continuent à travailler dans laquelle il y a Jules Ferry, dans laquelle, laquelle il y a le futur maréchal Joffre, il y a Erkman et Chatrian. C'est une loge assez prestigieuse. Et là, il passe d'un sentiment patriotique à un sentiment plus universaliste. Alors, il a l'aide d'Ernest de la Boulay, qui et alors lui, qui est un républicain, mais mais mais, mais pas trop tout de même, hein, parce que La Boulaye, il, il a été très très longtemps républicain, et puis en 1869, il se dit mais c'est pas possible, je ne suis jamais élu. Finalement, le, après tout, euh, hein, l'Empire le, vaut bien peut-être un sacrifice, et il va voir Napoléon III qui lui promet qu'il en fera son ministre de l'Éducation nationale. Manque de chance, l'empire s'effondre, la boulette tombe en disgrâce, mais finalement rebondit sur ses pieds. Et euh, après, maintes et maintes aventures dont on parle dans, dans les aventuriers de la République. Et puis, euh, finalement, la boulette est très efficace à trouver des financements. La, la, la statue de la liberté euh, est d'abord, le pied est d'abord, qui doit être financé par les américains, a un peu de mal à être financé. Il faut que euh, l'homme qui a créé le très célèbre prix pour les journalistes euh, dont j'ai oublié le Donc, nom, Pulitzer, Pulitzer. Voilà, Pulitzer, fasse une campagne aux états unis pour mobiliser l'opinion américaine, le 1 dollar pour le pied de la statue, il finit par trouver les financements. La statue est montée en France grâce à l'aide de Gustave Eiffel. Elle traverse. Elle est montée dans le quartier de la, de la place Abs des Ternes à Absolument. Paris. Ça peut être spectaculaire de voir s'élever, se dresser la statue de la Liberté boum là en par plein boum. Paris, ouais, bout ouais. ouais, Ah oui, c'était très spectaculaire. Alors donc, euh, vous avez... parce que là vous nous avez bien raconté toute l'histoire, ouais. mais est-ce qu'elle est maçonnique, oui ou non Est-ce qu'elle est Alors oui, 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 elle est maçonnique en ce sens qu'elle est financée par les maçons très clairement. Et vous on voyez dit que toute la symbolique a été, a été calculée pour etc. Ça, ça fait partie de l'ésotérisme ambiant, ambiance. Oui, c mais c'est c'est-à-dire qu'on peut tout voir si vous voulez. Il y a même des gens qui vous disent que quand il y a trois rues qui se croisent, c'est maçonnique. Moi, oui. je pense qu'il faut être <laughs> un peu plus calme sur tout ça. C'est-à-dire, il y a quelques symboles. Il y a sept épis sur le sur le diadème. Enfin bon, ça, parfois, voilà, ça par que, exemple. Oui, oui il y a les chaînes enlevées. Mais c ça s'adresse aussi aux États-Unis. Donc c'est l'abolition de l'esclavage. Mais c'est vrai que dans les, dans les initiations, on enlève les chaînes. Il y a la statue, ce qui est vrai, c'est que des pieds jusqu'au bout de la tête, ça fait 33 mètres. Donc les 33 grades de la maçonnerie. Maintenant, elle est plus universaliste que maçonnique stricto sensu. Et d'ailleurs, si vous regardez le visage, on a tout dit sur le visage. Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est cette fameuse femme de la révolution de 1848? Moi, j'ai envie de vous dire, regardez-le autrement le visage. Il est très androgyne. Et on se demande bien si c'est un homme. Ou une femme. Alors euh, maintenant, nous êtes en train de nous dire que la Statue de la Liberté est un... homme. On m'avait dit ça de Jeanne d'Arc jusqu'ici, mais pourquoi pas de non, mais regardez Miss Liberty? Bien, regardez bien, Miss Liberty, elle a quand même oublié le diadème. Elle a un, oui, un, est visage... Elle, elle a un visage mal, un peu, comme on dit, un peu massif. Oui, ça c'est incontestable. Alors euh, je feuillette votre, je feuillette votre, euh, votre ouvrage. Là, c'est ces trois minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie, et, et j'y trouve aussi des biographies, oui. car il y a des des espèces de focus en fait hein, sur ouais, euh, sur fond noir où vous nous racontez de grandes figures et il y en a une qu'il faut citer parce que c'est une femme c'est Maria de j'adore Maria de j'adore Maria de Rheim parce que c'est une, pareil. En fait, il y a beaucoup de grands bourgeois qui s'engagent dans la maçonnerie, ce qui peut paraître un peu curieux, mais ils pourraient être conservateurs, vivre de leur richesse et jouir. Non, ils s'engagent pour faire bouger le monde. Et, et Maria de Rem est de cette grande bourgeoisie voltairienne. Elle dédiera l'entièreté de sa vie. Elle n'aura ni maîtresse, ni amant. Elle n'aura euh, absolument rien d'autre qu'un seul combat. C'est le droit des femmes pas le droit des maçons le droit des femmes donc elle est euh, elle commence euh elle commence quand, vous, quand je vous écoute finalement je, je me dis Laurent Kupferman que une grande partie de ce qu'on a tendance à attribuer à la franc-maçonnerie vous l'attribuez vous simplement à la philosophie et à l'universalisme. Probablement oui. C'est-à-dire que euh, la maçonnerie n'a pas de programme euh, politique. La maçonnerie ça n'est pas un parti politique. La maçonnerie n'est pas, pas une idéologie en fait. Pas hein. du tout. La maçonnerie des débuts, elle n'est pas du tout républicaine. Oui d'ailleurs. Oui. Elle est elle est elle est euh, pour une monarchie euh, constitutionnelle, Éclairée, oui. constitutionnelle. Le, 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 le principal exemple étant Lafayette. Le, le, le principe républicain commence à pénétrer euh, le, la maçonnerie dans les années 1830, mais pas avant. Si vous me promettez d'être bref, <laughs> je vous propose de nous évoquer un autre des des grands des grands personnages de cette franc-maçonnerie, c'est Léon Bourgeois. J'adore aussi Léon Bourgeois. Mais Léon Bourgeois, c'est un franc-maçon qui est tombé dans les oubliettes de l'histoire, et on se demande bien pourquoi, parce que c'est le seul franc-maçon français qui a reçu le prix Nobel de la paix. Mmh. C'est le seul. Après, il a été président du Conseil, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, fondateur du solidarisme. Voilà, c'est ça. C'est qu'il qu a, a institué une doctrine lui. Cette do, une doctrine qui, dont on pourrait dire qu'elle est la grand-mère du, du, de, de la social-démocratie, c'est oui, un peu ça, plus complexe plus que ça, ça. Oui. Mais, mais, mais on pourrait dire ça. C'est peut-être ça qui l'a d'ailleurs la fait tomber dans les oubliettes oui, de l'histoire, puisque <laughs> il, a, il arrive à une époque où euh, il faut être soit marxiste, soit ultra -libéral. Or, il n'est pas marxiste et il pense que le libéralisme tout seul ne fait des dégâts et doit être accompagné. Et donc, ce Léon Bourgeois, il crée aussi la Société des Nations, dont il est le premier président. Alors, je voudrais signaler, Laurent Kupferman, oui. une exposition tout à fait magnifique, il faut le dire, qui est l'exposition sans doute la plus extraordinaire jamais réalisée sur la franc-maçonnerie, qui se tient en ce moment à la Bibliothèque nationale de France jusqu'au 24 juillet. Il faut la voir. Il y a tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Tout est là. Tout. C'est assez extraordinaire. C'est juste une, un, oui. petit, un petit, commentaire. C'est moi, elle cette exposition, elle m'a donné un petit peu de, 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 de frisson parce que quand vous rentrez dans la première pièce regardez bien à droite et à gauche vous verrez tous les manuscrits c'est incroyable tous les manuscrits qui ont tous fond... les documents fondateurs de la maçonnerie voilà, de la maçonnerie mmh. qui n'ont jamais été réunis ils sont là ils sont là euh, grâce un à roman Mollier. de votre co-auteur Jacques Ravenne, ouais. avec euh, Eric Giacometti, bien entendu, qui s'appelle L'Empire du Graal et qui euh, va paraître incessamment chez la Thèse Et puis également de Giacometti et Ravenne, La mémoire volée des francs-maçons. Ça, c'est un documentaire inédit qui va être diffusé euh, très bientôt, là, le dimanche 15 mai à 22h25 dans euh, la case du siècle sur France 5. Ouais. La mémoire volée des francs-maçons. Qu'est-ce que c'est que cette mémoire volée? Ah, c en fait, c'est une partie des archives qui avait été détournée d'abord par les nazis les puis, puis par, les Russes. par les Russes, les Soviétiques, et qui les, 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 les Russes ont dit qu'ils avaient tout rendu. C'est pas tout à fait vrai. Et Jacques et Eric ont fait un superbe travail pour nous montrer ce qu'on a encore découvert. L'histoire, l'éloge, les rituels, les mythes, le langage symbolique. Trois minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. C'est de Laurent Kupfermann avec une préface de Jacques Ravenne et une postface de Post de Pierre Molière et c'est au courrier du livre. Au cœur de l'histoire continue sur Europain avec dans un instant la question d'Éloïse sur l'origine des gargouilles. Europain, au cœur de l'histoire. Europain, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est Éloïse qui vous pose une question cet après-midi. Franck Ferrand par mail via le site europain.fr. Éloïse vous demande d'où viennent les gargouilles. Les gargouilles. C'est un drôle de nom. Gare en, la, en latin, c'est la gorge, vous savez, et goule, goule, c'est la gueule. Donc, c'est fait de, de gorge et de gueule. Vous savez que ce sont ces, ces, euh, comment dire, ces, ces, ces petits euh, appendices sur les architectures qui permettent d'évacuer la pluie. Elles font la, leur apparition au XIIe, XIIIe siècle. Je crois que les plus anciennes en France sont sur la cathédrale de Lan. C'est à vérifier, Lan hein, dans l'Aisne. Euh, en tout cas, euh, l'idée, bien entendu, c'est de montrer que le mal qui est craché par tous ces diables et par toutes ces, par toutes ces créatures maléfiques. Le diable euh, est extérieur, est étranger au temple lui-même, en l'occurrence à l'église elle-même. Alors vous connaissez la description que Victor Hugo a donnée des gargouilles de Notre-Dame dans son célèbre roman 1831. Les innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient là un aspect lugubre, écrit-il. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée.